Bonsoir à tous, heureux vous retrouver, chers amis, en ce samedi 16 décembre 2023, 19h51, heure du Québec. Je peux vous dire une chose, on saute tout de suite dans le vif du sujet, on le sait, le conflit entre le Hamas et Israël prend de l'ampleur, s'intensifie, on ne sait pas comment ça va se terminer, mais il n'y a pas question pour les Israéliens qui y de pause, le Hamas non plus, les pays avoisinants sont tous sur le qui-vive, et là, ce qu'on apprend, c'est complètement hallucinant. Vous le saviez, on se partage, puis vous l'avez lu peut-être aussi, au euh, Yémen, il y a des Houthis euh, qui ont conduit plusieurs attaques de drones et ont même euh, saisi des navires. Et là, on assiste à une escalade l incroyable des États-Unis. La Grande-Bretagne affirme que leurs marines ont abattu 15 drones d'attaque au-dessus de la mer rouge. Un navire de guerre américain a battu 14 drones d'attaque présumés au-dessus de la mer Rouge samedi, donc aujourd'hui, et un destroyer de la Royal Navy a battu un autre drone qui ciblait des navires commerciaux, ont déclaré les militaires britanniques et américains. Les rebelles houthis du euh, Yémen ont lancé une série d'attaques contre des navires dans la mer Rouge, l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde, et ont lancé des drones et des missiles visant Israël comme la guerre israël amas menace de s'étendre. Le commandement central américain a déclaré que le destroyer USS Carney a engagé avec succès 14 systèmes aériens sans pilote, lancés depuis les zones contrôlées par les Houthis au Yémen. Les drones ont été abattus sans dommage aux navires dans la zone et sans blesser, a tweeté le commandant central, le secrétaire britannique à la Défense Grant Shapps, a déclaré que le HMS Diamond avait tiré un missile Sea Viper et détruit un drone qui visait la marine marchande. Donc, vraiment, vraiment, très, très inquiétant. Ça, c'était l'Associated Press. On a CIMA4 qui nous rappelle que, et nous raconte que les États-Unis envisagent de frapper au Yémen. Hein, le groupe des Houthis, le Pentagone réfléchit à l'opportunité de frapper directement les cibles militaires des rebelles Houthis au Yémen en réponse aux attaques Croissante de la milice soutenue par l'Iran contre les navires militaires et commerciaux dans la mer Rouge. Les responsables de l'administration Biden ont déclaré à Semaphore qu'ils étaient de plus en plus préoccupés par le fait que les Houthis et leurs sponsors, les euh, Téhérans, tentent de saper le commerce maritime mondial, à la fois pour saper le commerce avec Israël et pour augmenter les coûts supportés par les États-Unis et leurs alliés pour leur soutien à l'État. Juifs. Maintenant, euh, la guerre qui dure depuis euh, 11 semaines à Gaza contre le groupe militant palestinien Hamas, certaines euh, compagnies maritimes mondiales détournent déjà leur trafic de marchandises de la mer Rouge et du canal de Suez vers des routes contournant la corne de l'Afrique, ce qui augmente considérablement le temps de livraison et surtout les coûts de transit. Mais les responsables américains affirment qu'ils pèsent pour l'instant, s'ils ont ils vont euh, euh, rentrer en action avec une frappe contre les Houthis par rapport à leur crainte aussi d'alimenter potentiellement une guerre plus large contre l'Iran et ses mandataires, on est vraiment coincé. On est euh, dans une espèce de cul-de-sac. Politico nous rappelle que lui, eux autres nous rapportent que les Houthis lancent de nouvelles attaques en mer Rouge alors que les navires de guerre américains se dirigent vers la région. Déjà, on est plein de navires dans cette région-là. Et là, on en attend de plus en plus. Et tout ça, naturellement, dans le cadre de protéger les intérêts euh, juifs, américains et euh, britanniques, entre autres. Les déploiements accrus de navires et les attaques des outis surviennent alors que le secrétaire à la défense, Lloyd Austin, doit se rendre au Moyen-Orient la semaine prochaine. Hi. Des navires de guerre américains et britanniques ont abattu samedi plus d'une douzaine de drones, comme on l'a lu tout à l'heure. Ça nous rappelle que ça a l'air d'être vraiment coordonné depuis longtemps tout ça, ce plan-là du Hamas et on pourrait dire de ceux qui supportent le Hamas dans la région et qu'il y a eu une coordination. Hein? Puis il y a une coordination de tous ces événements-là et de toutes ces euh, attaques-là. Je peux te dire une chose. Wow. Je ne sais pas ce qui nous attend. Mais c'est certain qu'il n'y a qu'une escalade qui est possible. Il n'y a rien qui va calmer les choses. Au contraire, on le voit, ça s'en va vraiment dans la mauvaise, mauvaise direction. Et cette direction-là, ben, euh, ça, semble, ça semble vraiment être quelque chose qu'on souhaite pas arri voir arriver mais qui semble être sur le point de se produire malgré tout. Je vous laisse ça dans la boîte de description.